J'espère que vous avez tous passé et toutes une bonne nuit. Donc on va procéder au tirage de l'ordre du désordre des secteurs. Allez, viens ma grande. Je vais demander à la fille, mais elle n'est pas là. Voilà. Bon, le chat dans le désordre. Ok. Alors, je vais quand même vous montrer l'autre enveloppe aussi. C'est dans le désordre vous aussi. Bon, sur la deuxième feuille, c'était bien marqué ordre. Donc, dans le désordre. T'as varié les couleurs? Toujours. Un peu de tout. Un peu de tout? En fonction des goûts. C'est jamais trop ce qu'ils veulent. En cours de l'après-midi, quoi. Ah, ça fait moins d'une minute. Ah ouais. Ils sont pas les mêmes heures, les deux, là. C'est l'heure luxe allemande, ça. C'est pas suisse, ça. Traîner, c'est ça que je veux faire voir. Tu vas aller chercher jusqu'au bout du lac là. Allez, on va aller à l'intendance. Allez, que du bonheur maintenant. Il y a combien de minutes de pêche? Je lui posais toujours la même question un peu très intelligente. Pour moi, 18. 18 minutes, et il aurait combien de poissons là? 19. Ouais. Donc il tourne à plus d'un la minute. Ouais, mais enfin dedans, il y en a deux ou trois qui sont comme ça. Il peut pas les choisir. Allez. Ce qu'il y a, c'est qu'avec l'âge dedans, vous avez compris. Eh oui, ça aide pas, hein. Non, ah putain. C'est une chose, mais enfin bon, je vais se faire plaisir avec des poissons. Et puis il faut surtout avoir eu l'impression de se être battu. Parce que là, dimanche soir, il y en a qui s'en voudront parce qu'ils ont raté du poisson. Non mais, c'est un beau championnat, ça. Ah oui, c'est sûr, c'est beau. Je suis incapable de vous dire comment il faut faire. Hein. Si je savais, c'est moi qui serais à sa place. Et non, j'y serais pas. Bon. Combien de poissons? Comment? Combien il y a de poissons? Ouais, c'est 10 à peu près. Pour les meilleurs. Il y en a qui n'en ont pas 8. Qui n'en ont pas 8. Ouais, d'accord. Combien de poissons il a? Pour l'instant, 25, 29. Et il y a combien de minutes de pêche? Il a 26 minutes de pêche. Ah, c'est un beau match, hein? Ouais, c'est un beau match. Il y a même 20 à des places, ça, c'est pas mal. Et alors, à la demi-heure de pêche, il en est où? Ah, ça se tient, 31 poissons, 33 poissons pour Didier, donc ouais, ça se tient. C'est beau, non? Non, c'est bien. Donc, il faut un poisson à la minute, on va dire. À peu près. Il a combien de poissons? Il a 40 poissons. Ah, bah elle n'a pas compté, c'est la dame là-bas. Combien il a la sienne? 33, c'est pour elle. Il est très bien. Tout le monde s'attend. Il est beau poisson. Belle taille. Ouais. Elle disait qu'il vous stockait de 3, là il se tenait à 30 poissons, tu vois. Moi j'arrive, je vais me faire plus. C'est toujours comme ça. Non mais sans déconner. Bah oui, mais ce que je veux, c'est de voir avec des touches, parce que tu es d'accord, on verra pas souvent avec des touches, celle-là. J'ai pas vu des touches. Ah, ça, c'est du bidon, en fin de compte? Ah oui. Tu fais des dessins, c'est ça? Oui. Oh, ouais. Mais au bout et tout, il va me le dire. Dans le mieux, c'est de lui demander. Tout de suite, comme là, maintenant. Il y en a plein qui vont dire, putain... Il faut pas se cacher derrière un immeuble. Il faut pas se cacher derrière une annonce parce qu'on prend rien. C'est parce qu'on a mal pêché. Ne parle pas de moi, s'il te plaît. Non, non, mais je parle en général. Bien sûr, c'est ce que j'arrête pas de dire dans mes vidéos. Toujours une excuse, mais bon... La réalité, c'est que t'as été mauvais, t'as été mauvais. Il faut savoir ça. Poser les bonnes questions. À mon la bonne question, quand j'ai fini un concours, j'en ai pris une, je vais voir le mec qui m'a battu, je dis qu'est-ce que t'as fait? Quand il te dit, des fois, ça t'énerve. Comme je te dis, décoller de 10, traîner de 10, une antenne, c'est ça la différence. Ce jour-là, hein. Parce que le mec, il peut te le dire, parce que le lendemain, ça sera différent. Ouais. En plus. Tu vois? Sauf sur certains parcours, là, les mecs, ils savent qu'il y a des erreurs. Sur des pêches comme ça, c'est trop facile. Si tu les as pas, c'est que t'as pas fait quelque chose. Bah, c'est l'histoire des trous qui, je te dis, qui suivent. Je vois des... Par contre, la chance qu'il a là, on va essayer là. Je trouve que lui, il les a beaucoup plus courts que les autres. Aussi, j'ai vraiment l'impression qu'il pêche un peu plus court. C'est le fond qu'il a, oui, aussi, qui a fait que... Hein. Mais ça, c'est... Au départ, on avait pris un bout de plus. Non, ouais. Le fond a fait que... Oui, mais je me doute bien. Ça, c'est énorme, son tâche de rapidité. Je coupais le Didier. Déjà, au bout d'une demi-heure, tu dis les coupes, ça y est, il faut les réactiver. Il faut te bouffer, il y en a. Hein. Ouais. C'est comme ça. Ah, il a combien de poissons là? 30, 35, 40, 45, 50, 52. Pour 52 poissons pour 45 minutes. Bon, j'arrête, il me dégoûte. Bon. Ça s'est calmé. Oui, oui, mais c'est pour moi. Vous avez bien. Hein avec de la bannière. Olivier, ils en sont où? Ah bon? Il doit avoir une quarantaine, cinquantaine de poissons, non? Ah oui, c'est un peu plus. Hein? Il y a un peu plus, je crois. Oui, il y a plus là-bas. De temps en temps, mais... Reste dans ta pêche, père. C'est impressionnant. Des goûts que j'ai pas eu... C'est impressionnant. Reste dans ta pêche, je suis pas là, tu me parles pas. Olivier, je vais te poser des questions. Tu viens de faire le tour du secteur. Oui. Qui c'est qui mènerait pour l'instant pour toi? Monsieur là. Ah oui. 70 poissons sur la première heure. Oui. Et la moyenne après c'est dans les entre 40 et 50. Okay. Merci beaucoup. Bon, il m'annonce pour l'instant à la première heure c'est lui. Je pense que c'est bien. Ouais. Avec le coach qu'il a, il est balèze. Il faut que je t'emmène. Coach valide. Oui, coach invalide. on va rester sérieux, bah écoute. Non, non, il faut rester, hein. Ici. On croise les doigts que ça continue. Après les autres, c'est 50, 60. Lui, il est combien, là? 77. Vous voyez, comme il y a des choses, hein. Là, il a repris 23 poissons sur la première demi-heure. Là, ça fait 1h30 qu'on pêche ? 1h30. Il a combien en tout ? 76. Ah ouais. 76, c'est pas mieux. Je crois que c'est la moyenne. Hein. Ouais. Ah ouais. Donc je mettrai tout le temps à ce que le flotteur existe pour déclencher quelque chose. Si tu mets la ligne et la ligne est au fond, hein, et 10 secondes t'es pas pris, il faut sortir le flotteur ou en fait tu sors à 1 cm le flotteur, tu reposes doucement. Essayez pour voir. Okay. Ça amène quelque chose, je pense, à chaque fois. Dès que la ligne elle va. Là, ça y est, il est d'être parti. Hein. Non, ça tient pas, t'as une série de 5-6. Ouais, 9, des fois 10, 9, puis après t'es 3 minutes, 4 minutes sans prendre. C'était ça hier aussi. Est-ce que tu vas mieux? Ça... C'est pareil à côté, c'est ce que vient de me dire Olivier. Voilà, bah c'est ce que vient de me dire Olivier. Voilà. Bon, allez. Oh, les cœurs. Celui qui va mener maintenant doit être à 100. Mais celui qui mène, il n'y en a pas 500. Voilà, super coach alors. C'est dur. C'est une mauvaise place. Pour moi, c'est sa plus mauvaise place. Qu'ils se disent ça, il serait combien à peu près? Aucune idée. Il a combien de poissons à peu près? 69. Il va être dans le bas du truc. 10, entre 8, on va dire de 8 à 15 quoi. Elles n'ont pas été pêchées. Bah non. On parle là, c'est donc quoi? Ah, là, je pense que c'est le meilleur, il doit avoir 100. Le meilleur. Après, c'est 80 qu'il faut avoir, 80, 90. D'accord. Ça, c'est des indications. T'as compris? Ouais, hein, ouais, je les mets tout entre parenthèses. Accroche-toi, c'est là que tu passes. C'est sur cette place-là que tu vas gagner des points, pas sur les autres. Non, 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 oui, tu vas peut-être en prendre, mais il faut que tu en prennes un minimum. Pour moi. Et là, il est ça que je prends. Je suis passé à côté de lui. Non, c'est bien, c'est dans la rue. Fais attention à ne pas te faire piquer. Ils sont beaux, ces vases, putain. tout à l'heure, a pris 43 la première heure, 37 là. Tu comptes, Greg? Le meilleur entendu, c'est 117. 90. Elle reste dans sa pêche. Il m'écoute pas, ça sert à rien. Ouais. Tu peux rien faire, tu peux pas en attraper plus parce que je le dis. Hein. C'est pas le mec qui est au 15 qui tourne le mieux. Ah, il y a aussi le mec au 15 qui tournait bien. T'as raison, t'as le mec au 15 qui tournait bien. Ah, mais sinon, c'est. Mes collègues m'ont dit qu'il tournait bien. Ouais. C'est un mec de chez nous alors. Eh ben, tant mieux. Alors.